Parce que je commençais la photo et je savais que je voulais zoomer, mais je connaissais pas les conditions techniques de la prise de photo à longue distance. Donc après, je suis passé à autre chose parce que c'était pas suffisamment bon. Mais je l'avais pris pour ce choix-là et comme il fait des bursts de 4K, c'était cool. Souvent, l'ancien modèle est largement suffisant, ouais, c'est clair. Pour moi, là, il fait des bursts de 4K. Quand j'aurai, parce que j'ai jamais eu pris le d'orage, mais il a exactement ce qu'il faut pour faire des petits trucs sympas. Mais j'ai jamais, voilà. Trop de choses à faire et voilà. Mais j'ai le matos pour faire un certain nombre de choses sympas. On a deux groupes d'école maternelle. Alors. C'est pas ça que je veux, c'est ça, ok, hop, on va fermer un peu, je vais peut-être pas être en silencieux, je peux faire au shutter normal, shutter mécanique, ok, je suis bien. T'as le grand sac? Non, j'ai pas le grand sac. J'ai pris deux petits sacs parce que le grand sac était. J'étais obligé de prendre. Si je prenais le grand sac, j'étais quand même obligé de prendre le deuxième sac. Donc j'ai pris le petit. Parce que ouais, il n'y avait pas de gain sur avoir le grand en fait. Depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai pas sorti des masses, c'est vrai. Mais j'ai considéré ce matin. C'est un choix. C'est un choix motivé et construit. Je vais vous faire un petit panorama après. Il est pas temps, bah, il est pas temps. Mes chaussures, elles sont sur le bord de du truc. Hein. Je suis en chaussettes. J'ai mis des patins comme un bon japonais. Hein. Là, si j'étais arrivé maintenant, j'aurais eu. J'aurais une place moins bien. Là, j'ai une place exactement comme je voulais. Donc, voilà, je vais quand même vous montrer. C'est ça qu'il faut que je modifie, mais. Un peu dans l'autre sens. Mais on est sous un arbre, sous une branche sympa. On s'est mis bien. Ah, eux, ils vont être dans le champ. Est-ce que je vous mets le grand angle? Est-ce que je vous mets la lentille grand angle? Là, je crois qu'on est net. Oh putain, du premier coup. On veut aussi voir le. Ouais, mais si je baisse trop, ça va pas être. On veut quand même bien voir les cerisiers, quoi. Les cerisiers en haut, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, oh là, ça va être un gros pique-nique à côté. Ils ont deux énormes bâches. Ça va être un vrai anami à la japonaise, les enfants. Vous allez vraiment. Si vous avez jamais vu, ça va être un vrai hanami à la japonaise. Là derrière, c'est des étudiants, vu l'orage. Ça va partir en couille, c'est sûr. Bon, je fais le débile, je vais m'allonger pour prendre les photos dessus.
Oh, j'ai trouvé un petit bouquet pile poil comme je veux. Il y a assez de bière. Oh là, alors, il n'y a pas de bière, non, parce que je bois pas de bière. On va faire le petit tour de ce qu'on a amené à grailler quand même. Hein. Voilà, je vous mets un petit truc là. Donc, on a 3 rabats. On commence un petit Chablis 2010. Je sais pas s'il est bouchonné ou pas. Mais voilà, ça me paraissait important de partir sur un petit Chablis. Alors, j'ai pas les verres à pied, mais voilà. Donc, on part sur l'idée d'un petit Chablis. Verre en papier. Et salut à tous, salut Crap, salut. À côté du Chablis, on est parti sur 2 petits lemon sour tranquille. Alors j'ai pris des 5%, pas des 9, parce que ça, on n'a pas l'intention de se tuer la tête non plus. Donc voilà, là, les dernières marques, celles que j'avais bu avec Cashmere. Donc, je les aime bien, ils ont un goût sympa, aussi bien les 9 que les 5. C'est pas mal. Et dernière boisson, là, celle-là, c'est plus pour les expérimentations sociales, si vous voulez. De l'alcool avec du matcha. On a déjà testé avec l'ami Seb et on sait que c'est dégueu. Mais je me suis dit, il fallait quand même faire un petit côté what the fuck. Donc voilà. On a thé vert et alcool. Un peu en boisson, pour moi, chacun va apporter ses trucs. Hein. Ceux qui viennent vont apporter leur bordel, c'est sûr. Donc là, c'est pour moi et pour partager un petit peu. On a ensuite des cahuètes, parce qu'on ne vit pas sans cahuètes. Ben non, c'est pour ça que j'ai dit qu'en fait, c'était pour ce qu'on fait un peu plus au frais. Donc on a des cahuètes. Pour manger un peu équilibré, on a un petit morceau de makizushi du supermarché. On a deux poutres shibata. Donc, bon, s'il y en a qui saisissent la blague, voilà, on a deux poutres shibata.